Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode 7, j'ai bien dit 7, de notre Let's Play des aventures modesques d'Elfourdou, notre brave elfe qui en jette. Alors, on ne va pas se TP à Tchédinal, non, il n'y a aucune raison. Hein, on avait fait une partie bien avant où on était resté en bord de ciel, parce que bon, bah, vous vous rappelez qu'on avait fait un petit tuto sur Skyblivion. Et donc, ben, moi, pour vérifier un peu après, je me suis baladé un peu en Cyrodiil et je suis passé par Chedinal, bien entendu, normal, hein, vous me direz, voilà. Après le principe des autosaves, hein, voilà, quand on y reste un peu longtemps, ça fait des autosaves, voilà. J'ai peut-être fait une connerie là. Oui, à force de vous parler, vous voyez, j'ai oublié que bon, j'ai plusieurs sauvegardes évidemment sur Skyrim, et là c'est bah, vous voyez déjà que le niveau est pas le même. Il s'agirait de ma version de ma version antérieure, de ma Whisper, et du coup ben c'est pas la bonne version, et bon c'est pas la sauvegarde que je sais. Non, c'est pas Elfourtou, je suis désolé, c'est pas lui. Bon, je vais me calmer, hein. Non, je vais me calmer, excusez-moi. Bon, je suis un petit peu plus excité qu'avant, oui, vous me direz. Mais c'est une évolution dans la série. Ça a commencé avec notre carnage à Mjolnir, en plein cœur de Blancherive, où on a fait voler quelques gardes. Et moi, ça m'a surexcité, j'étais content. Je me suis dit, bon, bah, c'est génial. Bon, bah, voilà, on massacre des gens comme ça et tout, c'est normal. Et du coup, ça m'est resté. Hein, ça m'est resté. Je suis toujours dans cette même ambiance, on va dire. Je suis, voilà, je peux pas vous dire. Bon, là j'attends que ça charge, parce que hein, j'aime bien les hôtels d'enchantement, mais à un moment c'est chiant. Ouais, ça doit être Sharpshooters qui fait ça, ou c'est peut-être Fraps, remarquez. Voilà, là j'ai essayé d'enlever pour j'ai enlevé Fraps pour vous montrer, enfin pour puis je viens de le recharger là et en fait dès que j'ai arrêté la vidéo avec Fraps, il a changé la partie tout de suite. Voilà. Ah oui, Berthe, c'est vrai. Putain. J'ai passé 3 minutes à vous dire c'était pas la bonne sauvegarde, à vous dire pourquoi tout ça. Et là, je viens à peine de me rappeler que ce n'était pas la bonne sauvegarde. Vous me direz, c'est tout à fait normal pour un, je sais pas, mais pour un certainement quelque chose, c'est tout à fait normal. Non, Whisper non. Whisper non plus. Whisper non. Elfourtou! Allez, c'est parti, mon elfe! Cette sauvegarde repose sur du contenu qui n'est plus présent. Il est possible que certains objets ne soient plus disponibles. Continuez le chargement. Oui. Ah oui. Amulette de type Elob, j'ai équipé. Admetic Prostitution Option. Frost Elf Script Initiative. Sauvegarde automatique. Ouh, ils m'ont dit bien des choses là. Wet and Cold, updated to version 1.21. Bon, on va se la jouer avec l'accent, hein, l'accent du sud là, déjà que je vais colter toute la journée, hein, hein. Donc, on va éviter de se faire du mal. Et bon. Des articles. Je ne prétends pas être la meilleure. Ouais, peut-être quand même, voilà. Parce qu'il faudrait quand même que je m'allège, hein. N'oubliez pas. Dire. C'est vrai, avec la manette, c'est plutôt difficile de. Ouais. Ouais, ça a toujours été chiant, ça. J'aime pas. Voir à l'intérieur, vous avez besoin de quoi que ce soit. Là, c'est même pas possible de faire des. Là, je voudrais faire des sacoches, vous voyez, pour. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. C'est pour augmenter ma capacité de port. J'en ai marre de mettre en god mode pour ça, quoi.
faudrait également que je pense à vendre des conneries. J'ai trop de trucs qui me servent absolument à rien. Ça je l'admets, je veux dire, hein, voilà, mais. Ah, ne faites plus attention, c'est mon cancer portatif. Vous avez remarqué que ça calme du coup parce que je dis plus rien. Hein, ça... Non mais en fait j'essaie de. Putain, je suis à 515 là. Bah voilà, 165, c'est parfait. Allez. Oh. Oh. Voilà. C'est bon. Donc voilà, vous voyez que j'ai enlevé le gold mode. Hein. Pas de raison. Allez, ouais, ok, d'accord. Allez, voilà. Donc on va suivre la quête principale, donc les Gris Barbes. Aller les voir, tout ça. Bon, alors on a la chance d'être déjà allé au Rodgar quand on a voulu tester voilà Monaven, la Halls of the Mandor. Donc on a déjà le marqueur de carte, on n'a pas à se farcir les 7000 marches, ce qui est plutôt bien en fait. Hein, voilà, voilà. Donc on va arriver direct, c'est plus rapide, c'est bien. Moi j'aime bien perso, je trouve ça pratique. Et on est toujours au niveau 5 alors que merde, on est sur l'épisode 7. Ah! 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 Ouh! Ah, vous avez remarqué ce changement là, ces textures qui sont pas chargées. Et ça me le fait avec Sharpshooters. Donc Sharpshooters, c'est une configuration NB, c'est la plus connue, la plus célèbre et pour moi la plus belle en fait. La plus réaliste. Et du coup, bah en fait là, le seul truc que j'ai enlevé sur Sharpshooter, c'était la profondeur de champ, parce que ça vous fait laguer un max. C'est normal hein, en même temps, mais bon. D'accord, j'arrive plus à marcher, ok. Il y a un sac qui a foutu le camp, ou bien... Hot Rodgar, d'accord. Bah alors, je sais pas, j'ai pas oublié un truc. Tiens, grand sac à la ceinture. Ouais. Non ? Non, il est mis ou pas ? Je vois. Putain, je vois rien. Ça, je viens de l'enlever, non ? Non, c'est bon. Non, ça, c'est bon, ça y est aussi. Enfin... Ah bah oui en fait, non c'est bon, putain, non j'avais pas vu l'icône. Oh le boulet. Alors si vous avez la foi de commenter cette vidéo, n'oubliez pas de marquer oh le boulet bien en majuscule avec plusieurs E à la fin de boulet. Voilà, tenir la note, vous voyez, ça me montrera à quel point vous êtes d'accord avec moi et ça fait plaisir. Ainsi donc, nous voilà au Rodgar. Vous remarquerez que j'ai enlevé ma couronne et mes lunettes de soleil. Parce que il faut quand même être poli quand on rentre dans un endroit, on enlève ses lunettes de soleil, surtout si c'est dans l'intérieur, ça ne sert plus à rien. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Yes. Je réponds à votre appel. Vous m'appelez enfant de dragon, qu'est-ce que ça signifie? Non, je ne vais pas le lancer dans une dissertation. Non, juste je réponds à votre appel, voilà. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Doutes-tu de ma voix, l'ami? Faites-nous apprécier votre voix. Je vais te faire bouffer le mur. Frappez-nous du pouvoir de votre bon, raté. Enfin, une autre fois, je te ferai bouffer le mur. Au Rodgar. Ah. Je suis Maître Armger.
Je parle au nom des Grises Barbes. C'est eux, les Grises Barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Je vais me promener. Qui êtes-vous qu'à cet endroit? Non, parce que ça va le lancer dans une explication complexe et qui va prendre tout l'après-midi. Je veux découvrir. Non, ça non plus. Non, ça va le lancer dans une discussion qui va prendre tout l'après-midi. Je réponds à votre appel, maître. Ah bah non, bah ça oui, non, très bien, ça très bien, ça fait lèche-cul. C'est très bien ça. Oui, les vues, ils aiment bien qu'on soit révérencieux au possible. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon, voilà. Non, ouais. Allez, hein, on fait comme ça. Je réponds, je veux découvrir, je réponds. Bon, ouais. On va faire comme ça. Je pense, hein. Parce que. Enfin, je sais pas. Je sais carrément pas. Mais je pense que ce serait mieux. Moi, perso, c'est. Ouais, les deux autres vont le lancer dans une putain de dissertation et tout, je perds mon temps. Entraînement, vous avez déjà tiens, fait les j'ai même pas appuyé sur la touche. La projection de votre voix en Adouhum, un cri. J'ai même pas appuyé sur la touche, il a validé tout seul. Ça veut dire que pour prendre le temps de se décider, on n'a même lorsque pas le temps d'aller criez, pisser. Vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Yeah. Chaque cri est composé de trois mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Inart va maintenant vous enseigner. Inart. Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie Ro. Équilibre en langue draconique. Associez allez, à Inart, apprends-moi le mot. Pour affiner davantage votre tour. Oh. Il a fait des trous dans le sol. Bon, donc tu la prends ce mot ou bien. Ah, hein. Ah. Oh. 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 Ah. 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 Hey there, handsome. Vous devez débloquer son acception. Ouais, non, par ça une va marcher. Constante. Ah, il m'a pas donné ça. Il m'a pas donné. J'ai pas d'âme de dragon, c'est vrai. Moi, je suis un peu dans la brise. Mon pote, t'as des yeux vitreux, mais vitreux. J'ose pas imaginer ce que vous faites. Maître Enart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Cool. Je vais absorber Enart. Oh oh. Ce lien qui nous unit, Aina, toi et moi. Voyons maintenant avec quelle rapidité vous arriverez à maîtriser votre nouveau tour. Allons-y. Je suis prêt à toute éventualité. Belran, fous le camp. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Et pas vous. Oh, vous n'êtes pas des parents. Ha ha. Pour celle-là, c'était pas. Déjà deux, plus qu'un seul. Encore une fois. Votre Touhoum est très précis. Merci. Prometteur, enfant de dragon. Oui, je sais. Mais enfin, tu sais pas à qui tu t'adresses, est-ce qu'on va. Je suis quand même sorti premier de la promotion en 2005 à la Touhoum Academy. Donc, franchement, tu peux pas test. Honnêtement, hein, tu peux tout m'apprendre d'un coup. Hein, pas besoin de. Ça me faire marcher. Ah, si, il faut sortir. Bon, ok. Bon, c'est bon. Bori. C'est quand même un peu sombre chez vous les mecs, hein. ça manque de lumière je trouve, hein, c'est... Ouais, puis c'est austère quand même, de la pierre, bon c'est de la jolie pierre, hein. De la bonne pierre, elle est bien quoi. Mais ça manque de tapisserie, tout ça, je vous appelais Valérie D'Amido, vous allez voir, hein.
Ou peut-être pas d'ailleurs, mais... Enfin voilà quoi, merde, mettez, je sais pas moi, des tableaux, des trucs comme ça... Alors... Ah donc j'ai toujours pas le troisième mot. Oh. Ainsi donc. Maître Bory va vous enseigner le Wood, la tornade. Wood. Vous devez d'abord entendre le mot. C'était pas celui-là. Ah bon, ok, voilà. Tornade, impulsion. Allez, Bory, échangeons tous les deux. Allez, on y va. Ah oui, je m'en rappelle, ouais, il faut traverser la porte quand elle s'ouvre. Ok. Ok, laisse-moi la place. Ah non merde, c'était pas celui-là. Non, c'est pas le bon cri. Bon, on va changer. On peut pas. Ah non, non, non. Pourquoi je l'ai mis en favori moi? Non. Ah, vous ne pouvez pas changer de cri en criant. Ah oui, bon bah ça paraît logique. Ok, bah maintenant on peut sûrement. Voilà. Ça c'est bien ça. Ah putain. Ah, cette barre qui met une heure à se recharger, ça me gave. Allez. Voilà. Adressez-vous à Arranger pour poursuivre votre entraînement. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. Mais t'as pas compris que j'étais l'enfant de dragon, putain, que j'étais un héros. Oh. Eh bah oui, non mais voilà. Ouais oui, bon, alors je pensais que c'était aussi facile pour tout le monde. Nah, bon ça c'est trop le faux modeste. Je ne sais pas, c'est génial, je le fais, c'est tout. Ah, c'est trop modeste aussi, putain, non. En plus c'est de la fausse modestie les gens, hein. Et ensuite c'est merci et maintenant. Yeah, ça me plaît bien, ça fait vraiment, vraiment le mec sûr de lui, arrogant, suffisant, tout ce qu'il faut. Allez, on le prend. Dernière épreuve est venue. Oh. Retrouver la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Jürgen Parlevent. Dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Oustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix et vous vous en sortirez. D'accord, donc il va falloir que j'aille gueuler dans un temple, c'est ça la mission. Bon, vous n'êtes que 4 au fait. Voilà, vous n'êtes lorsque que... votre ouais. Voix ouvrira le chemin, vous pourrez alors vous adresser à lui. Où puis-je rencontrer votre chef, Partournax? Votre voix vous ouvrira le chemin. D'accord. Ouh, question de conversation, je vais finir c'était par regretter la police. Chef de guerre chez les anciens nordiques. Un maître de la voix ou de la langue. Ouh, de la langue. Après le désastre du mont écarlate, où l'armée nordique a été décimée, il a passé de nombreuses années à repenser à cette terrible défaite. Il a finalement compris que les... Il fut le premier à comprendre... Oui bon, tu m'as gavé, hein. Non, oui, non, mais ta gueule. Tais-toi, tu vois bien que je suis plus là. Arrête de parler tout seul. Mal foutu ça, je reçois pas la lumière. Bon, bah je crois qu'on va y aller, hein. Une petite quête, vous venez avec moi, hein. On partage la gloire et... non pas les richesses, parce que là, ça les richesses c'est pour moi, mais... Enfin voilà quoi, ça vous fera les pieds. Hein, on y va. Donc, ah oui, donc, c'est à côté de Mortal. Ok... Bah, ça me donnera l'occasion de découvrir Mortal. Et on va... ouais, bah, on va pas y aller à patte, parce que c'est pas comme si j'avais la foi. On va y aller en chariot. Bon, ça va nous coûter quelques piécettes, mais au moins, voilà. La Vierge du Nord. L'île de Solstheim. Il faudra qu'on aille faire un tour, hein.
Oh, j'en ai marre, hein. Comme ça charge, mais c'est déprimant, déprimant. Voilà, alors ça c'est le genre de truc à me casser mon enthousiasme, hein. Vous verrez qu'il y a une baisse significative niveau décibel entre le début et maintenant, hein. Je suppose que les écrans de chargement ils sont pour quelque chose. Ah, ça va mieux. Bon. Allez. Ah, oh, ça lag toujours par ici. Pure lame. Je souhaiterais louer votre voiture, s'il vous plaît. Hep, taxi. Mortal. 50 pièces d'or. Putain, 50 pièces d'or. Je suis un haut elfe qui en jette. Je suis muni de Mjolnir dans une main et de Narsil dans l'autre et j'ai besoin de payer 50 foutues pièces d'or. Tu devrais me faire un prix, je sais pas. Au moins 45? 44? Non? Ah, vraiment pas, non. Bon, 46 alors. Ah, dur en affaire, hein. 48? 48,5? 49? Bon, 55, c'est mon dernier mot. Mais merde. Voilà comment un haut elfe peut se faire piner. Voilà, j'ai été obligé de faire ça en solo, hein, bien sûr, mais s'il y avait un mode pour le marchandage, ce serait pas mal, quoi. Parce que là, il n'y a pas de marchandage, c'est pas comme dans Oblivion. Et ça, c'était l'avantage dans Oblivion, on pouvait vraiment marchander, quoi. Ça se faisait pas automatiquement. On faisait des tentatives de marchandage, et ça marchait ou pas, c'était vachement plus réaliste sur certains points, et voilà, bon. On pouvait également se faire piner. D'où le réalisme. Mortal, nouvelle découverte. Mortal a été ajouté à votre GPS. Pour Oustengrav, continuez tout droit. Non, non, j'ai dit tout droit. Pour Oustengrav, reculez, reculez, allez à gauche, reculez. Non, pas par là. Allez à droite. Continuez tout droit. Au prochain croisement, tournez à gauche. Qu'est-ce que vous faites? Tournez à gauche, je vous dis. Vous êtes vraiment un idiot. Tournez à gauche. Voilà, maintenant vous continuez tout droit. Voilà, comme ça. Bon, le soleil va se lever. Traversez le pont. Ta gueule! Qu'est-ce que cela peut signifier? Le retour de l'enfant de dragon? Quoi que je lui dise ta gueule? Oui, c'est ce que ça signifie exactement. Donc. Ah, c'est quand même beau, c'est très très beau. Une scierie. Ah. Bon, allez, hein, on va pas s'émerveiller devant des petites choses comme ça, on va passer pour des cons. Continuez ta gueule! Je vais désactiver mon GPS, c'est... Non, en fait, c'est l'UNB injector. Hein. Ah putain, ah! Ah non, c'est moche. Enfin, c'est trop coloré, trop... Ah, j'aime pas. C'est... Ça change vraiment trop, quoi. On va peut-être l'enlever. Ça, c'est quand je désactive Sharpshooter. Ça, c'est quand je le remets. L'UNB Injector, activez-le avant de lancer votre partie. C'est très, très pratique. Donc, En fait, il permettra d'augmenter vos performances. Voilà. Par exemple, si vous mettez Sharpshooters... Et que vous n'utilisez pas l'injecteur, ben ça va pas si bien tourner que ça. Voilà. Alors que si vous mettez l'injecteur, ben ça ira mieux. Faudra le désactiver en début de partie parce que. Enfin, faudra le désactiver. Faut que le logiciel soit lancé, mais que vous désactiviez l'option Use Effect. Voilà. C'est tout à fait idiot, mais. Ah. J'ai plus Narsil. Pourquoi j'ai plus Narsil? Je la remettrai quelque part un jour. Bon, on arrive où là? Oh, un repère de Mobart. Tu te demandes ce qu'il y a? Moi je pense que ça doit être un truc à base de
monstre. Allez, on traverse l'eau, on n'a pas peur. Hein. Bon, j'ai des copains qui m'ont dit qu'il y avait des piranhas là-dedans, donc faites très attention. Hein. Vous traversez d'un jet, vous vous arrêtez pas, qu'ils aient pas le temps de vous bouffer un pied. Oui, non, après ce sera emmerdant. Hein. J'ai vraiment pas envie de vous payer la chirurgie pour tous. Hein. Voilà, bon, c'est pas que je suis pas riche, mais... voilà. Alors, on arrive à Oustengrave. Oh là 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 là. Ah, il y a des ennemis, tiens. Bonjour. 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 Vous voulez tâter? Voilà. Un petit coup de Mjolnir. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Faudrait que j'avance plus vite. En évitant de taper dans le vide. Ah, oh, une petite potion. Hein. Oui, je suis un noob en combat, donc une petite potion. Sinon, je suis dans la merde. Peut-être même deux petites potions. Allez. Allez. Et paf! Tiens, où sont les autres? Je croyais qu'il y en avait trois. D'accord, il n'y en a plus trois. Ok. Ok, ok, bon, moi je respecte ça, je veux dire. Il y en avait trois, maintenant il n'y en a plus trois. Bon, ben, c'est la chose qui arrive, ok. D'accord. Ainsi donc, voilà. Skin de bazar. Robe de... Donc j'en ai tapé de la robe de nécromancien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chercher bandit. 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 Il n'y a rien à part de l'or. On prend l'or et on se casse. Wouhou! Wouhou! Lui aussi est mort. Bon, oh, il y a un coffre, tiens. Cherche, cherche, cherche. Ha 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 ha. Ouvrir. Oustengrave. Oustengrave. Encore ces écrans de chargement, hein. On vous a pas renvoyé chez vous. Donc. Donc il faut qu'on aille retrouver la corne de Jorgen par le vent. Une corne magique, sans doute, avec des pouvoirs ancestraux, bénis par les dieux eux-mêmes. D'accord, on entre dans un donjon, vous regardez déjà la sortie avec nostalgie. Ok. C'est bien l'esprit d'aventure, hein. C'est pas mal. Bon, on va augmenter nos atouts. Hop, oui, alors la santé, oui, parce qu'avec la raclée que je viens de me prendre juste par un nécromancien à la noix. Ah non, hein. J'aimerais bien avoir œil de lynx. Bon, bon, maintenant, je crois qu'on va marcher à l'arc parce que. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter en attendant? En attendant, en attendant. Alors, on va prendre un. Mais qu'est-ce que là? Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Ah oui, les attaques à une main, pourquoi pas. Homme d'armes, ouais. Ouais, on pourrait prendre ça, voilà. Déjà, pour commencer, on fait position de combat. Voilà. On va prendre l'arc elfique. L'arc long elfique. Et les flèches d'acier. Ouh, il n'y en a que 10. Et on va essayer de ne pas faire de bruit. Vos esclaves sont encore des gens. Dans un blizzard. Ouh, dans ta gueule. Ouh, je t'ai loupé. Ouh, dans ton bras. Oh, hein. Mais non, mais... Eh ben, t'avais qu'à pas être devant aussi. Non. Non, mais il restera plus personne. Oh, fais chier. Vous avez tué tout le monde. Bon. Ah, de l'or. Bah oui, bah de l'or, quoi. Ouais. Oh, peut-être... Attends, robe de... Ouais, allez, on prend. Voilà.
Attention, soin léger. Tonneau, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Couronne sanglante, rien à taper. Honnêtement, c'est pas ça qui. Ils sont là, les cadavres que vous avez dit gouillés. C'est les rares. Il a rien. Il a un peu d'or, mais. Ouais, mais je m'en bats le steak, moi. Je m'en bats le steak de l'esprit des morts. Je sais quoi. On va dire que je suis mort moi-même, et puis voilà, c'est. Enfin. Bah non, je suis pas encore mort. Bon, pas aller jusque là, hein. Évidemment, hein, mais bon. Ça sent le drogueur, ça. Parce qu'ils se sont pas entretués, les mecs, je veux dire. Ah, drogueur, j'avais bien vu. Bouclier de... Ah oui, merde. Alors, c'est pas un mode, hein, ce bouclier de fer. Enfin, si, c'est un mode, mais c'est indirect, c'est une erreur. C'est les textures d'Oblivion, ça. Qu'est-ce que ça fout, là? Oh! Ton paquet. Chapeau de sorcier. Oh! Drogueur forcené. Ouh! Pas assez, j'ai pas de, d'assez bonne flèche. Non, 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 mais non, mais pas vous, voilà, lui. Voilà. Bon, ils l'ont eu de toute façon. Tout. On avance. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, des amphores. Enfin, des urnes. Il y a des richesses partout ici, pour qu'il veut bien les voir, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a rien. Ah, je peux. Ah, hop, ah, obligé de te rater. Oh, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ah, des potions qu'elles sont bien. Il y a rien par ici. Il y a sûrement des choses par là. Oh, c'est un peu sombre quand même. Oh, de l'or! De l'or! De l'or! Oui! Ouh. Ah, excusez-moi. Il y a eu un petit problème. C'est le monde réel qui m'a rappelé à lui. Mon téléphone a sauté, excusez-moi. Bon, vous me direz, c'est pas très professionnel, hein. J'aurais dû couper mon portable avant de commencer les enregistrements, mais bon, hein, personne n'est parfait, quoi. Bon, du coup, je sais plus où j'étais. Ah bah oui, c'est par là, c'est bon. Oh, ça sent le drogueur. Ça sent le drogueur, ça. Tout. Oh. Mais c'est pas vrai, je suis maudit. Bon, bah tiens, pas besoin. Bah, j'aimerais bien récupérer mes flèches du coup. Voilà. Putain, j'ai que des flèches de merde. S'ils veulent, regarde. Ouh, dans ta gueule. Cassez-vous, cassez. Ouh, dans ta gueule. Bah, allez, niquez-le, voilà, je vous laisse, hein, je vous, voilà, vous avez la situation bien en main. C'est bien, voilà, on y va, allez, voilà. Non, mais je veux pas te parler, toi, je veux le chercher, lui. Qu'est-ce qu'il a? Hop, tabac, et voilà, et voilà, et voilà. Ta-da-da. Oui, la santé. Oh, un casque de fer. Je ne le prendrai pas. Nous continuons à évoluer. Lentement, mais sûrement. Dans les profondeurs. Et oui, profondeurs, même si ça grimpe. Douston Crab. Des drogueurs morts? Ça veut dire qu'il y a pire que des drogueurs? Cela n'augure rien de bon pour vous, mes aventuriers. Livre abîmé, cherchez coffre.
casque d'acier. Ah, bon, voilà. Voilà. Ce sera pour ceux qui suivent. Alors. Ah, une porte. Regardez ça, mes amis. On a trouvé une porte. Oustengrave Depths. Les profondeurs d'Oustengrave. Allons-y, mes amis. On ouvre maintenant. Si on croise du drogueur, ça va chier. Si on croise du nécromancien, ça va chier. Et si on croise du bandit et du scélérat, ça chiera trois fois. Oui, non. Parce qu'un drogueur, il faut savoir que... Il faut savoir qu'un drogueur, il n'a pas le choix, je veux dire. Vous profanez sa sépulture, il est pas content. Moi, j'aimerais bien vous voir à sa place, je veux dire. Le mec, il dort, vous le réveillez. Et encore, vous butez les siens. Hein. Ça faut bien reconnaître que... Bon, on est un peu fautif aussi dans cette histoire. Bah, un nécromancien, lui, ce qu'il cherche, c'est le savoir. Lui, faire du mal, en fait, il s'en bat le stage. Je veux dire, le bien et le mal, c'est des notions un peu vagues pour lui. Non, ce qui compte, c'est la science, c'est la recherche. Vous voyez ? Là, les médecins étaient comme ça, je veux dire, on n'aurait jamais découvert des putains de trucs, hein, s'ils n'avaient pas fait des expériences sur des petits garçons, tout ça. Bon, enfin bref, voilà, alors c'est contestable, bien évidemment, bien sûr, on peut toujours dire ça, nous bien pensant, mais les nécromanciens, ce qui les intéresse, voilà, c'est ça, c'est l'avancée de la science, notamment dans la conjuration, je veux dire. Bon, tandis qu'un bandit, non, le bandit, il a aucune excuse, je trouve, non. Il pourrait être aventurier si vous voulez vraiment gagner du pognon. Mais non, le bandit, il peut faire voler les honnêtes gens, bon. Vous voyez le gros discours réac quand même, hein, j'aurais pu être de droite, putain. La vérité c'est que je ne me situe nulle part sur l'échiquier politique. Je pense que de toute façon à la fin c'est qu'on n'y a qu'un seul perdant, c'est nous, c'est le bas peuple. Donc voilà quoi. Ah tiens, je l'avais pas vu lui. Enfin je les avais pas vus. Vous êtes bien amusé à me cramer les pieds, hein. Vous êtes content? Bon. Alors on va essayer de progresser avec prudence. Saleté. Bien. Allons-y. Paf. Ah, paf. Là. Par là. Si, c'est bon. Voilà. Ouh! Tu vas voir qu'ils vont se le. Non, putain. Ah, ça va! Ça va! Ils commencent à gérer ces deux-là. Ils commencent bien à roxer comme il faut. Ils roxent. D'ailleurs, oui, ils roxent un peu trop. Eh, revenez ici! Mais bande de sgeg! Non, mais revenez là! Putain, mais. Mais je vais passer pourquoi moi? Putain! Mais le chef qui reste derrière quoi, normal! Oh, je vais chier! Bon, pour les prochains, c'est moi. Regarde, forcené, on est dans la merde! Non, passez devant finalement, oui, allez-y! Voilà, fais apparaître ton loup là! Non, c'est très bien comme ça! Oui, voilà! Un truc dans le genre! Ouais, voilà, c'est bon! Tâche de faire passer pour moi! Bon! Bah y'a plus de drogueur non. Ah. Là on arrive je sais pas où d'ailleurs. Si on passe des tunnels, on passe des corridors. Ah, ça veut dire ennemi. Ouais, ça veut dire deux ennemis qu'il va falloir cramer. Donc, on prend les flammes. Parce que les flammes, c'est le bien. Enfin, si on ne suit pas la théologien qui est chrétien. Oh putain, il s'est pas pris les flammes. Non, désolé, Balrand, c'était pas pour toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais arrête, bébé, putain, mais bah, elle est vraiment. Mais tu voyais bien que c'était de la flamme là-bas.
était en feu de partout. Tu le voyais, c'était juste devant ta pomme. Et toi, tu marches dedans. Non, mais normal, quoi. Tout va bien. Non, non, mais... Je veux dire, arriver... Vous avez bien vu l'étal piégé tout à l'heure. Arriver à passer sans se faire piner. Et c'était un exploit. Là, les flammes, c'est juste devant sa pomme. Et elle marche dedans. Comme si... Comme si c'est bon, elle avait botte résistance à la glace plus 300 à la glace, au feu, pardon. Regardez ah. Beaucoup de gens sont terrifiés par cet endroit. Et moi, en ouais, bah, y a de quoi. Il m'inspire une grande fierté. Par les cons, eux, ça a l'air de bien aller pour eux. Eh merde. C'est une énigme. Comme ça, je vais ici. Bon, ici, y a pas moyen. Là-bas. Ah, tout le coup, l'autre. Ouais, celle de devant s'est fermée. Normal. Ah, mais attends. Ah, bah oui. C'est pour enfermer les drogueurs là-dedans. En fait, c'est pour prendre mon piège. Bien ça, c'est pour ça qu'il y a une commande à distance, ou pour qu'eux te prennent au piège. Et là dans ce cas-là, t'es un peu dans la merde. Oh, un hôtel d'enchantement. Ouais. Ouais. En fait, ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. J'ai pas tellement les enchantements que je voulais. Donc, ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, un crâne de troll, dis donc. Wow. C'est pas que ça en jette, mais ça en jette. Ouh, dans ta gueule. Oui, j'étais un peu en retard hein, à ce niveau-là sur celle-là. Mais vous pouvez, voilà, hein, parce que merde. Bon, est-ce que vous êtes foutu de pas vous faire avoir cette fois? Tiens, le drogueur va s'en servir pour déclencher les pièges. Voilà, et après on attend avant... Ah, vous êtes déjà passé, vous. D'accord. Ok, non, j'ai vraiment la bourre. Tiens, dans ta gueule. Grenade, parfait. Ouais. Encore des ennemis. Tu es où? Tu es là? Bonjour, toi. Bonjour, toi. Au revoir, toi. Il était mignon. Et il avait rien d'intéressant. Ah, si, flash nordique antique, peut-être. Putain, il y a un trésor là derrière. Mais il y a un trésor là derrière. Oh. Oh, hein. Oh, encore un squelette. Tiens, tiens. Pouh. Dans ton ventre. Je lui ai percé les poumons. Ça lui apprendra. Ça valait bien le coup de jamais fumer de son vivant. Il est quand même mort d'une merde de poumons. Eh oui. Eh, c'est... Vous avez des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne font jamais rien de dangereux. Et qui finissent à 30 ans écrasés sous un bus. Eh oui. Il y en a d'autres qui fument, qui boivent, qui font tout ce qu'il faut pas. Et puis qui meurent... Bon, il y en a aussi à 30 ans écrasés sous un bus, il n'y a pas de problème avec ça, normalement il y a un peu de justice, mais vous en avez aussi qui meurent très vieux, hein, alors que bon voilà. Non mais il n'y a pas de justice, hein, il n'y a vraiment pas, faut pas vous poser la question, faut pas vous demander non. Comment on grimpe là-dessus, parce que je vois un coffre, mais... Ah. Non, ça marche pas. Ah. Ah. Ah.
ça marche pas. Bon. Je vous cacherai pas que ça me déçoit. Je comptais fouiller le coffre. Bon, on va essayer par là. Pas moyen de passer. Non, même pas. Non, il y a de quoi être fané. Ok, badadam. On peut peut-être monter là-dessus. Voilà, par là. Par là. Voilà, c'est bon. Du coup, ici, ouais, il y a de l'argent. Mais... De l'argent? Non, on pourra pas, ouais. Ah, ça m'énerve, ça. Ah. Bon. Ah, mais il y avait une rampe ici. Pas bête, pas bête. Chargez coffre. Potion d'invisibilité éphémère. Ça, ça me plaît. Laissons quelques pièces. Ouais, donc tu laisses quelques pièces si tu veux. Filon te couvre un don. Tu laisses quelques pièces si tu veux, mais alors moi. Je garde tout pour moi. Alors là, ça va, on se rapproche de l'objectif de quête, hein, parce que, enfin je dis ça en fait j'en sais rien, je me rappelle plus. Ah si, je me rappelle de ça, c'est bon, je m'en rappelle. Voilà, ça se, d'accord, ok, bon, bah, on va la refaire. On peut utiliser l'impulsion. C'est bon. Et on rush. Ah, yes. Bon, on arrive où là? Oh, des toiles d'araignée, des cadavres desséchés. Ça sent la givre épaire, tout ça. Et mais je marche là où il y a des flammes. Ouais, bien sûr. Faisons très attention. Oh putain! Ouais, allez, on rush parce que sinon, je les connais, ils vont pas survivre. Ils sont tellement cons. Ah putain, bah, parlant de conneries, moi je suis pas forcément mieux, dis donc. Allez, s'il vous plaît, un petit endroit, il y a plein de flammes. Ouais. Faut que j'utilise des potions. Tac, tac, et dans ta gueule. Allez, vous en chargez, hein, parce que moi je me les tape toutes depuis tout à l'heure. Hein. C'est tous les ennemis. Bon, un petit peu. Voilà, j'en fais un petit peu comme ça de loin, mais sinon. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va. Bon, je vois. Elle est où, Jenna? Je parie qu'elle est morte. Ah non, elle est là. Mais vous roxez vraiment en fait. Pourquoi tu fais la gueule? Il n'y a plus d'ennemis. Yaéo! Ah, voilà, c'est bon. À tout le temps faire la gueule, moi. Non, moi ça m'énerve les gens comme ça, sérieux. Je trouve ça vraiment déprimant. Ah, une toile d'araignée. Ça va, merde, on va pas se faire bloquer par une putain de toile. Hein? Alors, flamme. Paf. Pif. Ouvrir porte en bois. Là. Là, on reprend nos armes. Mjolnir et Glamdring. Elle est où, Glamdring? Ah, elle est là. Le marteau de Thor et l'épée de Gandalf. Oh, il est où l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, campeur! Je sais pas si tu sais, on a un peu une quête à finir là. Bon. Déjà, je te paie pas pour des prunes. Alors, t'es sympa, mais. Mais enfin voilà quoi. Merde. Oh, qu'est-ce que c'est ça le jeu? Ah oui! Ah, c'est un mode là! Alors vous avez pas fait dans le jeu original, Overlord. Ah, des armées de squelettes. Ouais, dans Evil Dead. Là, l'armée du ténèbre. Allez, bah c'est parti, on va l'éviter. Oula, oula, ma santé descend en flèche. Hein. Ouais. J'ai été pris de court, mal préparé.
Je suis mort. Bon, pas mal. Ah ouais, non, pas à la hauteur, là, non, t'as raison, là. Oh, mais c'est nul, mais c'est moisi. Bon, on va y retourner, du coup. Mais je vais vous épargner ça. Je veux dire, on va... je vais y retourner seul, et puis je vous reprends après, hein. Là, je vais couper l'enregistrement. Et puis je vous reprendrai dès qu'on y sera, à nouveau. Oula. Ouh, dans ta gueule. Bon, voilà. Allez. Après, ta et on revient en pleine mêlée. Tiens, ah, je vais vite faire. Tiens, dans ta gueule. Tiens, toi aussi. Mais tu vas en faire pop combien, l'ami? Ouh, il a une hache d'un tétra. Mais il est fou, ce mec. Bon, allez, toi, dans ta gueule. Non, mais... est-ce que tu peux mourir? Voilà, c'est ça la question. Et toi, toi, tiens, 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 bah. Allez, meurs, s'il te plaît. Tu... non, tu fais honneur à personne, mon gars. Tu meurs, c'est tout ce que je te demande. Toi, casse-toi. Tiens, tiens. Et tiens. Et... ah, merde, hein. Ça va, tiens. Non, tu mangeras rien du tout, tu vas manger ta mère. Tiens, tiens, tiens. Oh non, il est putain. Ah, oh, mais c'est quoi cette arnaque? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tiens, prends ça dans ta gueule. Allez, allez. Oh, allez. Ah, encore. Rien à taper, moi, de tes mignons. Pas si beau que ça, d'ailleurs. Et... allez, tiens. Et paf. Dans ta gueule. Ah, c'était l'araignée. Bon, bah, t'as vu qu'à pas être là. Tiens. Tiens. Attenez. Dans vos mouilles. Dans ta mouille. Tiens, monsieur. Prends ça. Oh, j'ai passé un niveau. Tiens, prends ça. Tiens, niveau 8. Tu vas pouvoir me baiser. Hein. T'as préparé vous, allez. Prêt. Bloquer le passage, chaud et mignon, merde. Allez, oh. Tiens, tiens, t'es par terre maintenant. T'es par terre, tu pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'es par terre, t'es par terre. Tu vas, t'es plus par terre, mais quand même, c'est pareil. Je veux dire, tiens, allez, tiens, tiens, t'es mort. Ah, ah, qu'est-ce qu'il a cœur de tes draps? Hache d'armes, tes draps d'incinération, allez, et puis l'armure de l'Overlord. Les livres de sorts, oh, je lui ai tout pris. Tiens, j'aurais pas dû être encombré normalement. Oh merde! Alors, excusez-moi, gros boulet, j'avais mis le God Mode pour passer vite fait en fait. Pour passer vite fait dans le. Dans le donjon, dans ce qui restait à faire, j'ai passé, j'ai rushé. Et comme j'avais pas envie de gaspiller de potions justement pour les garder pour ce moment là, je suis passé en God Mode. Et comme un con, j'ai oublié de l'enlever. Bon bah vous me direz, comme il se healait assez rapidement le mec, on va dire que c'est deux gros cheaters qui se sont foutus sur la gueule. Bon, à part que moi j'ai été plus cheater que lui. Attends, bon, j'ai enlevé la manette là, je reprends la souris parce qu'il faut les ressusciter, ces deux là ils sont morts, hein. Voilà, voilà, TGM, God Mode Enable. Et après j'ai remis le... ouais. D'accord, oui, oui, Reus Rect, oui, non, normal qu'il ne trouve pas Reus Rect, putain. Ah. Bonjour. Nous sommes semblables, vous et moi. Une consider you so higher. Passez devant, je vous suis prêt. Ouais, ouais, ouais. Bon, maintenant il va falloir lui filer du stuff. Il faut que je change certaines choses. Si c'est ce que vous souhaitez. D'acier, bon, armure d'acier, ouais, ça ira. On va quand même lui filer un petit stuff sympa parce que sinon c'est pas la peine. Allez, gantelet de fer de maniement accru, non? Gantelet d'acier, oui, pourquoi pas.
Non, l'Overlord, ça je me le garde pour moi. Casque de fer, non, d'acier, un casque d'acier, putain. Casque d'acier à corne, voilà, parfait. Hop, prends ça, c'est gratuit, c'est la maison qui régale. Ah, on va faire pareil avec Belran. Resurrect. Voilà. Ah mais lui il garde son... Je ne pensais pas vous revoir si vite. Quel danger et quelle merveille nous attendent dans les steppes enneigées. Je suis impatient de le découvrir. Ouais. Je change certaines choses avec vous. Je vais quand même lui opérer un peu son stuff parce que... Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'armure de fer, t'en as une. T'as des gantelets, parce que je vois que t'as des merdes au bras là. Tu tiendras pas une seconde. Je sais même pas ce que je vais filer. Gantelet de fer de magnon accru, ça devrait. Ouais, bah voilà, 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 bah ça c'est parfait ça. Ensuite, un petit chapeau, enfin un casque, hein. Non, c'est là où les casques. Ah. Ah. Ah, les bottes de fer au cas où t'aurais pas les bottes. Bah c'est bon, hein. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est beau. Ah là, je remets sharpshooter, c'est le son. Allez, allez, voilà. Ça prend un plus de gueule. Et maintenant je crois qu'on va... Déjà j'ai remangé ma manette là, c'est bon, hop. Et je crois qu'on va... On va tester donc un mode un peu particulier puisqu'il est interdit aux moins de 18 ans, hein. C'est Animated Prostitution. Pourquoi n'aurions-nous pas du bon... Ne passerions-nous pas du bon temps tous les deux gratuitement? Tentative de persuasion. Je peux être à vous si vous... pour 50 septimes persuasion. Je vous paye 27 septimes si vous me donnez du bon temps. Je vous veux et je prends ce que je veux. Intimidation. Je vous laisserai m'enculer pour des biens bon marché. Allez, on fait ça ici. Alors, comment on devrait le faire? Hein? Ouais, non. Tiens, juste en bas là, juste en bas. I want to fuck you in the ass. Donc, vous êtes prévenu. Voilà, il va se passer certaines choses. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là? D'accord, son animation ne s'est pas faite, quoi. Petit problème de mode. On retestera dans un autre épisode. Enfin, quand j'avais fait les tests au préliminaire. Préliminaire. Et oui. Ça avait bien marché. Là, on dirait que. Enfin, les tests préliminaires étaient plutôt beaucoup. Hein. Ça se passait plus au bout de la peau. Oh, elle est heureuse. bon. Évidemment, vidéo interdite au moins de 18 ans. Hein. Voilà. Ça commence à s'éloigner. Lui est toujours dans son truc. On dirait qu'il est en train de déféquer. C'est surprenant. D'accord. Belran doit vraiment être prête. Voilà, on a fini. Il est heureux. Oda. Je peux vous aider? Par contre, elle est toujours à poil. Donc, on va peut-être. Oh, de l'or partout. Ah, ça, c'est le repos du guerrier. Du sexe et de l'or. Il ne manque plus qu'une bonne boisson. Mais je suppose qu'on ne peut pas tout avoir. Et que de toute manière, si je trouvais une bouteille de pinard dans un tertre, j'y toucherais probablement pas. Des principes.
temps, ouais, ouais, ok, allez. Hop. On pense que ces chambres étaient autrefois la demeure des Nordiques. Bah ouais. Ah mais ça l'est toujours, hein. Je veux dire, nous on n'est que de passage, on n'est même pas locataire. Ah non, c'est toujours la demeure des Nordiques, hein, faut pas croire. Nous en fait, juste là, on passe, on pille un peu, et puis on leur laisse, après, y a pas de... pas de raison de la garder, puis alors t'imagines pas la taxe foncière là-dessus, hein. C'est grand, il faut déjà entretenir, faudrait faire la clim, l'isolation, ça très important, parce que ça fait partout, bon, et oh, ça va. Ça va quoi, hein, c'est bon. C'est pas que j'ai envie d'en mettre plein les fouilles au Jarl, hein, mais j'ai pas envie justement de... Oh, on débarque où? Tiens, un levier. Et si on activait le levier? Un rocher qui descend. Ah bah j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps du coup. Ça rock, dis donc. Bon. Allez. On va peut-être se rhabiller par contre. Hein. Ouais. Ouais, on va peut-être se rhabiller parce que là. Alors on va tester le stock de l'Overlord. Alors déjà oui, on prend. On récupère tout ce qu'il faut pour ne plus être encombré. Le truc de l'Overlord. Overlord. Oh, ça pète! Ah, il me manque de sacoche, ouais. J'étais à 565. Voilà. C'est bon, l'ami! Ça me fait chier de plus mettre la couronne de Joaquin, mais quand même, ce casque-là, il enchaîne bien comme tu veux. En fait, j'y pensais au niveau du RP, il est plutôt pas mal ce boss, l'Overlord. Parce qu'il n'y a pas vraiment de boss en fait dans les donjons de Skyrim. Si, il y a un Droger un peu plus puissant que les autres, mais c'est pas le maître du donjon. Alors que là, l'Overlord, il en. Voilà. Bon, c'était pas mal quoi. Il a un stuff unique. Non, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Hein, ouais, âge d'or des drones. Haha. Et là, elle pour tout sera vraiment diabolique. Tada. Vous avez intérêt à respecter ma putain d'autorité. Bon, monsieur, le temps pour l'agitation, quand elle est sombre, je pense que leur mode de vie nordique est mise en danger. Les impériaux, bon, ok. Quel beau soleil, un feu trop beau. Mamma mia, mamma mia. Ouh. Ouais, franchement, ça pète, c'est bien. T'as vu un peu? On est tous plus ou moins classe dans cette compagnie. Allez, on va peut-être y aller. Non, c'est bon, j'avais déjà cherché là-dedans. Ah, je dis, on va se casser. C'est trop beau. C'est trop beau, quoi. Ah, mais bord de ciel. Bon. On va peut-être aller, donc, comme vous disiez le mot, d'aller à Rivebois. On va l'écouter, on va aller à Rivebois, hein. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Si l'œil est partiellement ouvert lorsque vous êtes en furtivité, c'est que quelqu'un vous cherche. S'il est complètement ouvert, vous êtes découvert. J'aime bien leur rime. L'armure de la guilde des voleurs, elle a quand même de la gueule. Hein. Elle a quand même de la gueule.
Là, je parle pas trop, excusez-moi, j'écoute la musique, hein, elle est quand même pas mal. Ce serait mieux si vous pouvez voir le paysage dessus, mais bon. Vous avez commis des crimes contre Bord de Ciel et ses habitants. Oh non. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Bah. Ah ! Ah, bon, 4080. Bon. Bon, ben voilà. Je vais me retrouver à tous les coups devant le palais du Jarl, là, amputé de toute ma fortune, tout mon argent, tout mon pécule. Et obligé de me refaire du blé, honnêtement. Bon, ben je vendrai du stuff comme ça. Hein, donc, l'épisode 8, je sais pas encore ce qu'on testera, mais il y aura sûrement une bonne petite part de commerce, ou de quelque chose à base de commerce, là-dedans, quoi. Voilà, ça paraît maintenant officiellement sûr. Et ça fait combien déjà, waouh, 1h06 qu'on enregistre. On va peut-être s'arrêter là, hein. Ah, cette texture, mais c'est vraiment une honte, c'est une horreur. Oh. Bon, et ben on se quitte là pour cet épisode, et puis on se retrouvera donc pour l'épisode 8 des aventures modestes d'Elfourtou. On va sauvegarder. Puis basta, et moi je vous dis, eh bien, à plus !